Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour nous avec aujourd'hui pour nous présenter l'émission ça. L'émission ça va permettre ou gain ensemble d'informations, ça cap dit, ça cap fait, ça cap passé dans le secteur agricole. Pour la première émission ça, aujourd'hui nous prend un fruit, nous allons parler de mango. Combien de monde dans le pays d'Haïti qui par contre mango, puisque il y a une centaine de variétés mango dans le pays d'Haïti. Nous rappelons que mango est sorti dans le pays Jamaïque en 1837 et rentré par Borisite. Mais d'une manière générale, mango est sorti dans le pays l'Inde. Pour jouer aujourd'hui, pour nous parler de mango, c'est ça qui fait nous inviter plusieurs experts, plusieurs connaisseurs dans la question ça, pour venir débattre ensemble avec nous qui ça nous connaît sous question mango. C'est ça qui fait avec un plaisir, aujourd'hui, nous recevoir M. José Sylvain Pablo, qui est un exportateur mango, qui a une usine de traitement dans la question mango. Et nous avons Mademoiselle Mulinika Calix, qui sont étudiants en communication. Et puis nous avons agronome Guy Tolouor, qui est directeur du programme national de détection de contrôle de la mouche des fruits dans le ministère de l'Agriculture. Et puis enfin, nous avons Christian Chéroubin, monsieur son professionnel dans la question webmaster, dans la question informatique. Nous allons inviter suivre ensemble avec nous un documentaire sur la question Mangoa ou même moi-même ensemble avec tout invité bio pour regarder qui ça qui gagne Mangoa et tout de suite après documentaire ça nous parler pour brasser l'idée autour des questions ça en nous suivant ensemble. Haïti c'est un pays tropical qui n'a mitan Caraïbes blanc qui produit en pile fruit. Ça qui est plus bon, c'est pendant toute l'année. Mango, c'est un fruit tant que tout l'autre fruit nous produit. Mais l'hypothèse la mayol, dans le commerce mango a rapporté pays. Mango qu'elle vend dans le pays États-Unis, elle paye 10 millions de dollars américains chaque année d'après l'Association nationale exportateur mango, ANEM. Mais quel autre mango tout qu'al vendre ces domaines ak nan ziltik, c'est l'autre cob encore porté pour payer. Si on a parlé de commerce pays d'Haïti avec l'autre bord de l'eau, il pas capable parler de commerce mango. Depuis 10 dernières années qui sont passées là, yo, gen yon seri entreprise kap travay pi jam pour acheter mango nan mes planter, traiter li et voyer vendre ni l'autre bord de l'eau. Pi fort entreprise sa yo, c'est même ANEM. José Pablo Sylvain, c'est président ANEM. Elie est responsable d'une entreprise qui a traité mango qui relève Finta. Elle a expliqué qui est le secteur d'exploitation mango organisé en Haïti, qui est-ce qui la donne et qui avantage l'hypothèse pour l'économie du pays d'Haïti. Bon, ANEM est une association qui est très jeune. C'est une association que nous-mêmes avons créée en 1996. Elle a commencé avec 7 membres fondateurs. Et l'autre membre qui n'a pas fait partie, le 3 membres, est devenu partie de ANEM, peut-être 2-3 ans plus tard. Pour gagner Agropac, qui est une application d'ATO, pour gagner JMB, pour gagner La Finca, pour gagner Caribbean Produce, pour gagner M&M Agro, pour gagner Ralph Perry, pour gagner Golden Crown, Jamais Paul. Avant yon mango sorti dans le pied pour li rive l'autre bord, li passe en pile étape traitement. De quoi pour ces bonnes qualités mango qui rive joindre consommateur. Yo. Contrôle qualité mango a commencé fait depuis la plantation. Tout plante fournisseur yo doit assurer yo côté mango yo est propre et yo pas doit quitter bête en bas pi mango. Yo, yo connaît tout. Yo pa ka kay mango a lè la pli ap tombe. Moun ka l'achete mango nan men plante yo, yo itilize yon aparey ki rele GPS pou voye enfòmasyon bay santral antreprise la kap trete mango a. Pou sa, antreprise la ka suiv kay ki founise mango sa soti ki wout li fè pou li antre an dan izin nan. Le mango arrive an dan izin nan, anvan menm li debake, de inspecteurs contrôlés qualité. Yun, c'est inspecteur ministère agriculture pays États-Unis, USDA. L'autre là, c'est inspecteur ministère agriculture pays d'Haïti. Sous chaque samango, inspecteur ministère agriculture pays d'Haïti a coupé des graines pour faire contrôle là.
Si tout bagay en forme, des inspecteurs autorisés débattement tout de suite. Si yon jwenn ven nan mango ki soti nan yon chargement sa tout éliminé. Yon pa ka continuer traiter mango ki soti la dan yo pou voye van nou. Pendant déroulement débattement, travail izin nan tout profiter ou ete tout mango ki pa ka suivre reste traitement. Soit parce que yon frappé ou bien yon gen tache sou yon. Mango ki pi bon yo, yon ale nan yon seri kobay ke yon mette pou sa. Mango ki dépasse 700 grammes, mango ki frappe yo, mango ki gen tache sou yo, yo mette yo sou kote. C'est pas parce que anda yo pa bon ki fè yo retire mango sa yo. C'est parce que yo pa respecte tout règle jwenn la. Ti machan achete mango sa yo pou revann sou marché local la. Après inspection, mango sa yo sibi bon jan lavage pou retire tout saleté ki sou pou yo. Travay izin nan plonje mango sa yo tout suite apre nan yon dlo chaud men ki pa tro chaud pou boule men yon moun ou bien pou boule mango a. Mango a fe 30 minutes nan dlo sa. Tretman dlo chaud sa se pou touye tout jèm vè ki ka an dan mango sa yo. Inspecteur USDA toujou ap veye eske temperati sa respekte. Le mango fin pase 30 minutes nan dlo chaud sa, yo retire yo et yo plonge yo nan yon lot lo ki nan yon temperati normal pou rafredi yo avan yo ale nan kes. An dan entreprise kap produ mango yo, nou kapabwe tout bagay bien range. Gen machine ki pemet mango yo sikile, san moun yo pa deplase. Mango a gen pou pase an baje tout inspekte ak supervize ak ouvriye yo pou toujou kontrole kalite li. Depi yo jwenn yon mango ki pa korek, yap retire. Tout mango ki bon yo, yo range yo nan yon kes, san bliye mete sou kes sa yo yon sou 10 chif, ki bay yon paket informasyon sou kote mango a soti ki entreprise ki vwe vann ni lot bon. Se kote zon nan, ki gen 4 chif, yon mete sou li. Plus numero finisyon ak 3 chif, la ve 7, yon gen 3, trois derniers yo c'est date que mango a suivi traitement. Nous capable constater tout bagaille gen tan prêt. Mango yo déjà rangé. Yo doit seulement al mete yo nan chambre froide pour kembe yo frais avant yal nan conteneur qui gen pour embarquer soit pour bateau ou bien avion pour pays l'étranger. Malgré tout belle bagaille sa yo ka fait nan industrie mango a, gen quelques problèmes tout. L'étape que nous voulons faire avec Mangoua, bon, c'est que la vie, dans le début, ça que la petite composition nationale. Si nous avons arrivé structurer, c'est pour ça que nous avons structurer filière, structurer chaîne d'approvisionnement, qui est tout intervenant ça la donne, a pris un gros pas dans la production nationale. Mangoua ici a un avenir qui donc peut aller plus loin. Si nous plantons plus mango, semblie améliorer chaque jour plus qualité produit et puis renforcer secteur dans tout niveau.